like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Voilà, donc nous arrivons au terme de nos trois jours que tu as partagé ici avec Ahmed, qui est reparti sur Saint-Dizier. Alors, cette idée de faire des crêpes et des galettes, ça veut dire quoi, ça, Françoise? Eh bien, je crois que c'est en lien aussi avec mes origines bretonnes. Moi, je suis moitié finistérienne, moitié morbihanaise. Et j'ai vu les crêpes et les galettes se faire autour de moi. Et puis au fond, c'est un vieux rêve auquel j'ai jamais osé jusqu'à présent donner vie. Et puis là, je me dis que c'est le bon moment, sans doute. Parce que ton métier, c'est quoi ? Moi, j'étais dans la fonction publique territoriale, profil plutôt communication, événementiel, pendant un certain nombre d'années. Et puis voilà, je suis arrivée à une lassitude, une envie de changer, de m'essouffler, de rebondir, de repartir sur autre chose. Et après des tergiversations, c'est revenu cette envie au fond de moi. Pardon, il y avait une histoire de crêpes et de galettes déjà dans ta famille ou pas, ou... J'ai pas de grand-mère ou qui ont été crêpières, mais j'ai vu en faire quand même autour de moi, enfin dans l'odeur, les odeurs. C'est souvent lié à ça. Hein. D'enfance aussi avec une grand-mère chez qui j'allais en vacances et elle allait acheter des crêpes délicieuses et j'ai le souvenir d'aller acheter ces crêpes que j'adorais. Enfin voilà. C'est énormément ancré. Il y a plein de gens qui disent ça. Ouais, je crois que c'est vrai que c'est parfum, c'est vu, c'est crêpières qui savaient... Oui, mais à la limite, pourquoi plus c'est lié à ça. Pourquoi plus les crêpes, les galettes que de la pizza, par exemple? Parce qu'on peut changer de vie aussi en devenant pizzaïolo. C'est dans les jeunes, je crois. Bretonne, c'est vrai que ça prend tout son sens. Enfin, il y a une âme. Tu es venu ici avec l'idée des... de travailler en food truck ou en remorque, c'est pas encore trop défini. C'est pas complètement arrêté. Et pourquoi ça? En fait, ce rêve que j'avais, c'était moi, mon rêve un jour, c'est de vendre des crêpes face à la mer. Voilà, donc je crois que là. Mais à Rosé, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer à Rosé, donc il va falloir que je m'éloigne un petit peu. Il y a la Loire, mais une envie de mobilité, je crois, l'idée d'être mobile, de pouvoir changer de cadre de travail plusieurs fois dans la semaine, ça me séduit, ça me plaît bien. Donc food truck, remorque, je ne sais pas trop encore. Oui, parce qu'on en a parlé de ça, food truck et remorque. Je ne sais pas très... C'est vrai que je suis plus orienté remorque et parfois je pousse un peu le bouchon, c'est vrai, mais... Mais je pense qu'après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et tu te vois comment? C'est sur des plages de marché, aller faire des événementiels, aller répondre à... C'est quoi tes idées? Ouais, sur des événementiels, ça me plaît bien. Sur des fêtes de famille, en entreprise, ça me plaît bien de répondre à des demandes comme ça particulières. Mais l'idée aussi de marché, d'ambiance de marché, toute cette émulation, toute cette vie, ces parfums, ça me plaît aussi. Mais comme tu le soulignais, ce qui est bien, c'est que tu peux faire effectivement avoir une ou deux places de marché, mais parfois il arrive, mais c'est comme d'avoir une crêperie en dur, très traditionnelle, qu'on ne voit pas grand monde. Et donc ton idée de développer soit de l'événementiel, notamment de répondre à des attentes d'entreprise sur des anniversaires ou autres d'entreprise, moi je pense que c'est vraiment la bonne idée. Il faut avoir une petite démarche commerciale quand même, sans doute, qu'il y ait une concurrence qui doit exister. Voilà, donc en plus quand même, on est dans une région où la crêpe, le commerce de la crêpe est très présent, donc essayer effectivement de trouver une idée qui est très présente mais pas forcément de bonne qualité, parce qu'on vend bien souvent de la merdouille.
Bah, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai envie de miser sur du local, de qualité, vraiment aller m'approvisionner tant pour les farines que pour les produits, les garnitures auprès de producteurs locaux. On a quand même la chance dans cette région-là, des pays de la Loire et de la Bretagne, d'avoir énormément de bonnes choses. Les maraîchers, les fromages, oui. Donc, pourquoi s'en priver hein. On va pas se gêner. Donc, ton idée, ce serait pour quand à peu près? Eh bien, j'aimerais bien, avant la fin de l'année 2020, j'aimerais bien lancer. Voilà. Parce que là, on a passé une période un peu dure. Il faut se rappeler que là, je le disais en intro, que c'est la première session là, de reprise à uniquement deux personnes dans l'atelier parce qu'on est en post-Covid. Là, on vient juste de réouvrir. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette période. Compliqué pour certains et puis opportunité peut-être. Et puis peut-être aussi voilà de rebondir pour d'autres ou pour une porte ouverte sur autre chose, une autre façon aussi de d'avoir envie de consommer peut-être plus justement local au profit du local. De vivre autrement. Donc il faut sans doute il y a sûrement des idées à prendre et bah, j'ai bien envie d'essayer de. J'ai une question quand même. Ce changement-là, c'est pas soudain. Il faisait pas un jour où tu t'es réveillé, tu t'es dit je vais devenir crépière. Tu disais c'est un peu d'être arrivé au terme d'un cycle de boulot, le temps de changer. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Oui, c'est ma question. Exactement. Mais en fait, je regrette. Enfin, voilà, mais c'est comme ça. Je pense que. J'ai mis du temps à m'autoriser, en fait, encore une fois. J'avais des blocages au cerveau et je sentais que c'était vraiment, il fallait que j'arrête là où j'étais. Et c'est en fait au cours d'une soirée, en discutant avec une personne que je ne connaissais pas, qui m'a parlé elle-même d'avoir conseillé à sa propre fille qui cherchait un peu d'apprendre à faire des crêpes et en disant. Les crêpes, finalement, où que tu ailles dans le monde, c'est vrai. Et ben, tu pourras en vivre, tu pourras te débrouiller. Et elle a rebondi là-dessus en me disant, mais j'avais fait des recherches pour elle et puis j'avais vu qu'il y avait une formation sur Saint-Nazaire. Et en fait, c'est comme ça. Et ça m'est resté en tête. Et puis, le lendemain, même sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches. C'est comme ça que je suis tombée sur toi. D'accord. Et je me suis dit, non, mais c'est à la porte de chez moi. Il y a eu un dieu, de la crêpe. Il y a eu comme quelque chose. Je me suis dit, bon, allez, cherche, vas-y. Et lance-toi. Et c'est marrant, cette personne que je n'ai pas revue depuis, d'ailleurs, qui sait, il faudra que je te le dise si je la revois. Merci. Parce tu sais où la retrouver C'est drôle, en fait. Et ça a été pour moi déclic. Il faut croire qu'elle a parlé au bon moment en me disant, mais vas-y, ça y est, c'est ça. Cherchant puis un petit bout de temps vers quoi je pourrais m'orienter, qu'est-ce que je pourrais faire raisonnablement. Ouais, c'est génial. Et voilà, ça fait son chemin. Alors, ces trois jours que tu as passé là, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que, ma question, c'est pas de dire, c'était bien ou c'était pas bien, c'est pas trop ce que je recherche, mais est-ce que quelque part ça t'a ouvert sur des trucs? Est-ce que l'image que tu avais de la crêpe de la galette, c'est ça, c'est pas ça, c'est d'une autre manière, c'est... ce que je vois, c'est oui, je vois tout le champ des possibles en fait. C'est que effectivement, c'est et c'est rassurant aussi, c'est de se dire que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la crêperie, mais je crois qu'à chaque crêperie, enfin, on peut créer vraiment se différencier en osant mettre sa patte personnelle et qu'on peut décliner à l'infini les garnitures de crêpes et donc ça laisse place vraiment à la création et moi ça me plaît beaucoup. Donc, et en même temps la création, faut savoir se limiter parce qu'on est vite dépassé. T'as vu quand on fait des petits trucs, c'est vite, on part dans plein de trucs. Je crois que c'est ça, pas trop s'étendre, effectivement c'est ce que je retiens aussi de cette formation. Pas trop chercher à avoir une carte hyper garnie, mais des produits simples, basiques mais de qualité. Avec chaque semaine faire tourner un truc, la galette de la semaine, la crêpe de la semaine, on se lâche aussi sur la crêpe. On a mangé des sardines. Ah
Ah ouais, c'est étonnant les sardines, les sarrasins. Ah ouais, j'aurais pas soupçonné, mais j'ai trouvé ça avec une petite piperade là. C'est bon, hein. Délicieux, délicieux. Ah. Et puis en plus, c'est vraiment local, produit local, de la pêche. Eh ben oui, j'ai réalisé que. Enfin, j'aurais pas osé imaginer, mais c'est vrai que. Avec du maquereau, avec du thon, avec. Tout. De la grande trèche de thon, ouais, on avait fait ça une fois. Mais vraiment, tu peux tout imaginer. Après. Je le répète, quitte à commencer à radoter pour certains, c'est que la seule limite, c'est notre imagination. Et notre imagination, parfois, est tellement débordante qu'on peut se noyer à vouloir proposer une carte trop grande. Petite carte, très simple, et tu as raison, suggestion qui tourne de temps en temps. Ouais. Et c'est bien. Il faut surprendre. À mon avis, il faut surprendre. Il faut surprendre, oser, et puis... Et conserver des bases. C'est bien, ça. Bon, c'est une bonne chose. Donc, il reste à trouver une remorque, un food truck, on ne sait pas trop encore. Voilà. Donc, il faut que je... Là, maintenant, j'ai vraiment envie de rencontrer des gens qui sont déjà dans le business, des food trucks, des remorques localement. Tu vas en rencontrer. Des anciens compagnons. Ouais. Mais à un moment, alors j'ose te le dire, parce qu'il y a un moment, tu t'es dit, parce que c'est moi aussi qui engage les choses, c'est... Tu t'es dit, mais pourquoi pas une petite crêperie sédentaire dans un coin, machin. Pourquoi pas une petite crêperie en dur, comme on dit. Oui, c'est vrai que un concept d'atelier, d'assez intimiste, pas trop de table, intimiste, où on peut mettre aussi, donner son âme, sa patte. Ah ouais. Mais il faut trouver le lieu, le coup de cœur, l'emplacement. Visibilité, parking. Visibilité, donc je laisse cette possibilité. Une opportunité, on ne sait pas. Même si, a priori, je sens plus de résonance avec du mobile. Mais pourquoi pas aussi. Donc c'est pour ça, je vais aller un peu sillonner là autour de chez moi. C'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi? Que de réussir. Me réussir, me lancer, me lancer. C'est dur de se lancer, hein. Ah là, je me dis que c'est le bon moment. Il faut que j'y aille. Ça t'a donné envie là d'y aller? Oui, ça me donne envie. Ça me donne envie vraiment. Ouais. D'oser me lancer et puis, au pire, qu'est-ce que je risque? Je pense qu'il faut se dire ça et si on est raisonnable, ça doit fonctionner, c'est clair. Pas toujours facile, hein. Mais bon, on n'a qu'une vie en même temps. En tout cas, merci d'avoir partagé ces 3 jours avec moi, qui sont des circonstances un peu exceptionnelles. Exceptionnelles, mais... On n'a pas avancé masqué parce qu'on est au moins à 2 mètres l'un de l'autre, mais bon, on a travaillé avec des masques, tant que faire se peut, hein, et voilà. Et puis, maintenant, comme tu es aussi, même si tu n'étais pas une locale, il y a mon fameux SAV qui traîne par là, n'hésite pas à demander conseil. Puis si je ne sais pas répondre, je te dirai que je ne sais pas. Hein. Et la chance d'être à proximité, de venir faire aussi un saut, un petit coucou, bien sûr. Et puis en discuter tout à fait. Des visu. Et voilà, c'était riche d'enseignements et de bons moments. Parce que c'est important. Première formation post... Et moi qui ai recherché un peu mes marques, donc ça fait drôle quand même. En tout cas, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis la vie va sourire. Et puis, ça va être très bien. Mmh. Dac, merci à toi. Merci. À bientôt. You and me, meant to be in the great outdoors, forever. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Heroic sur Facebook, L'Heroic, L-E-R-O-I-C, pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt. Merci.